Bon, ici, forcément, on est quatre parce que bah, on est les super invités. On a Luigi et Notis et Jordan, nouveau sur la chaîne. Félicitations, voilà. Bonjour. Bienvenue à vous, les gars. Content de vous voir sur vidéo, ça fait plaisir. Avec plaisir. Et en vrai, surtout. Ouais, c'est bah, lui, en chair et en os. Bah, lui, on a déjà deux fois. Par contre, lui, c'est la première fois qu'on moi, c'est voit. Nouveau. C'est tout oui, frais. C'est tout frais, nouveau, tout frais. Donc, ils sont venus un peu excusez-moi de nous voir aujourd'hui. Et on s'est dit, bah tiens, on tourne aujourd'hui. On s'est dit, on fait un préco. Et directement, ça avait du coup le must du must. Alors, il y a pas mal à faire, donc suivez-vous, asseyez-vous, buvez un café et surtout prenez votre kiff à fond. Alors, Jordan et Noctis, vous avez pu voir ici que pour le Zyder Cut, Justice League Iron Studio a teasé du coup une gamme avec un Superman noir. Un Superman noir qui était super classe et qu'on attend prochainement au magasin. Ensuite, ils ont teasé un Batman, mais pas encore mis en précommande, Batman ouais. Nightmare. Et là, qui est tombé en précommande, c'est The Dark Side. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que tu en penses, Noctis, de ce Dark Side? Moi, je trouve que franchement, pour 269€, le prix est quand même correct. Après ça reste dans la gamme un 10, un 12e, c'est toujours un 10e de Iron Studio et franchement là du coup on a obtenu une statue de 35 cm et je trouve que pour le rapport qualité-prix, si ça reste un produit qualitatif, je trouve qu'à un moment donné, je pense que c'est correct. Exactement. Je trouve qu'à un moment donné, vous savez pas vous offrir la Queen Studio, la Prime One, ben là c'est cool, il y a un budget intéressant, or la McFarlane qui est super cool. Pour 35 cm. Pour 35 cm, vous êtes à 269,90€, donc c'est vraiment cool, c'est un prix, je trouve, intéressant pour la taille du produit. Mais voilà. C'est vrai aussi qu'il y a une similitude parce qu'il ressemble un peu à la Queen Studio, donc celui qui peut pas la reine du studio. Ici en studio, c'est la reine du studio. Donc il y a une similitude, mais celui qui peut pas sortir la Queen, il peut prendre de l'Iron Man. La reine. Alors ensuite, dans d'autres précommandes, et ça pour vraiment le gros bonheur, Notice, en plus toi qui es un grand fan de Weta ouais. Et surtout de Science Anneaux, ils ont du coup montré ici les portes d'Argonaut qui a déjà été fait dans le collector des DVD et je pense... Il a mal vie, je trouve. Il a mal vie, il a pris dans sa tronche, il est très petit. Ici par contre, on est sur un cube, enfin un cercle de 30 cm plus ou moins. 35 ouais, c'est ça, c'est 35 par 34 par 36, il me semble, quasiment un cube. Il travaille chez Weta pour les mesures. Ouais, c'est lui qui fait nos lives de base, donc forcément il a déjà tout dans la tête. C'est ouais. Une machine. Alors, bah du coup, moi personnellement, j'en suis hyper content parce que de base, on se ouais, c'est un peu peu, ça ressemble beaucoup, ce qu'on a déjà vu, mais le seul qui a la roche à côté et surtout l'eau avec les bateaux, c'est insane. C'est vraiment malade mental. Et après, bon, c'est du Weta, ça reste un budget, c'est quand même 850€ de base, donc ça tape un peu fort. Pour un décor, ça tape fort. Après, ouais. Ça reste beaucoup plus réaliste que ce qui avait déjà été fait au niveau des marches et autres. Là, j'ai regardé le film il n'y a pas longtemps justement pour comparer. Et c'est vraiment beaucoup plus accurate ouais. Que ce qui avait déjà été fait à l'époque. On avait des grands murs sans les escaliers, il n'y a pas les parois escaliers. Et là, vraiment, on retrouve le morceau du film. Et même les personnages aussi. Et les personnages, ouais. Et c'est surtout la qualité de Weta actuelle. La qualité de Weta actuelle ouais, ouais. Est vraiment à des années-lumière de ce qu'on a pu connaître il y a 5 ou 8 ans. Ça serait énorme. Et forcément, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de payer d'un coup 850€ parce qu'il sort que dans un an, vous avez plus ou moins jusqu'à octobre 2022 pour la sortie et vous mettez seulement 50€ d'un compte pour réserver comme on fait à chaque fois pour permettre à tous nos clients de payer largement et tranquillement leur produit sans péter d'un coup leur budget. Est-ce que tu connais My Academia, mon petit Luigi? Bien sûr que oui. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce Bakugo qui vient de chez en fait, Takara Tomy qui vient d'un coup péter le game? Karatomi, c'est une filiale à Goodsmile. Parce que Goodsmile a décidé de diviser sa société en 36 000 partenaires différents. Et du coup, en fait, là, ils ont juste donné le mot catégorie. Mais si on regarde derrière, ouais. C'est Goodsmile. Ok, bah, t'as vu, on a fait la plus grande vidéo du décou. Ils ont fait un bus Bakugo Tyrell à 8 000€. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses de ce format en plus un quart, un peu du premium format PVC? Ben là, sur les présentations photos, il y a vraiment un côté réaliste qui est très plaisant. Et on retrouve directement la mise en scène du personnage. Et je trouve que c'est un apport vraiment directement dédié au manga. Et c'est vraiment ce qu'on recherche par rapport au personnage aussi. Par contre, le budget, voilà, ça paraît pas trop énorme. 379€ de la pièce, ça me choque pas pour du 1 quart PVC, mais en même temps, ça reste la moitié après un format en résine. Faut voir, moi, ça me choque pas parce que quand je vois qu'il y a certains PVC où on est sur un 7ème et qu'on paye 400 balles, il y a plus rien qui me choque. Moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas mal de licences comme ça qui taffent très très fort. Ça peut vraiment être un nouveau type de prix en format, on va dire low cost, qu'on peut trouver maintenant en manga. Pareil, parce que c'est du 1 quart, c'est qu'on va dire, mais en 1 quart manga. On a un manga sur oui voilà il y a que la prime et là, on est sur de la résine et après au final quand on compare avec la Chronicle qui elle-même était en PVC le prix est pas déconnant. Faut pas rappeler ce délire de chez Chronicle. Hein. Chronicle. Ouais. Et là au final on est quand même sur 30 cm et le personnage est penché ouais. En sachant que ça reste quand même des petits des ados quoi. Des ados. Ouais, le seul truc qui est dommage c'est qu'encore une fois c'est les designs de la première saison alors que on a des nouveaux costumes ça depuis la saison 5. Ouais mais ça c'est classique tu vois tout le monde veut du Darvador épisode 4 pas du Darvador épisode 3. Oui mais dans le cas ici tout l'inverse les gens veulent les nouveaux costumes et les anciens sont vintage entre guillemets. Alors ensuite on va passer à en fait pratiquement au DC Fandom où ils ont montré du coup bah, pas le show, on a parlé de XM, surtout XM Studio, mais en action figure et en statuette, c'est le grand retour de DC Direct grâce à McFarlane qui refait toute une gamme de figurines mais qui officialise le fait de reprendre des statuettes en échelle 6ème, de Batman, de The Batman avec Robert Pattinson et du nouveau visuel de Nigma qui est vraiment intéressant, un budget complètement
énorme. Dire, dans le sens que c'est le même prix d'époque. Bah, il a réussi à garder le budget d'époque et c'était son vœu durant le DC Fandom. Il a dit ce qu'il veut, c'est garder l'âme de ce qui était DC Direct ou DC Collectible et pouvoir continuer comme ça. Maintenant, il a dit malgré tout ce qui se passe au moment Covid, machin, il a réussi réduire les choses. Et il est rapide, hein. Mars 2022, les gars. Donc tu vois le film en janvier, deux mois plus tard, t'as une statuette en 6e. C'est le seul fabricant, je trouve qu'il s'est dit, ok, le film sort en mars, et ben moi, il produit en janvier. Non, fin janvier de mémoire, je pense. Mars. Mars, ouais. Mars, okay, oui. C'est parfait. Mais je veux dire, faut quand même avouer que tous les prix grands qu'on discute depuis des mois ensemble, on est sur minimum un an, 8 mois. XM c'est 8 mois ou 3 ans pour Prime Studio. Là c'est bien de dire que tu vois le film, 2 mois plus tard tu fais, j'ai la hype, je veux acheter du Batman. Là d'un côté ils répondent à l'attente aussi. Ouais, exactement. Ouais. Et je trouve que Toys ont dû faire pareil. Annoncer après quoi, leur dire écoutez, elle sera pour avril. Dans 6 mois. Ouais, non, même mois de juin. C'est qu'une combi de merde entre guillemets. Ouais, ouais, c'est ça. Avec un bête faciès ici, c'est facile. Parce que quand on voit la hype dans le monde du Hot Toys, etc., on n'a toujours pas eu Captain America, Hot Toys, Avengers Endgame. Le film sorti en avril 2019, on sera en avril 2021, on n'a toujours pas eu. Et puis McFarlane répond. What if, c'est pareil, ouais. McFarlane répond même avant la demande parce que les figurines articulées arrivent. Ouais, maintenant. Tu peux jouer Batman avant sur le film, tu peux faire oui, vas-y, Batman et Robin. Tu peux inventer ton propre Batman. Oh putain, magnifique. Tu peux inventer le film ou refaire le film. Représentant McFarlane, n'hésitez pas, dans tout le côté sud de l'Europe, Espagne, Italie, Mexique et tout le bazar. Alors, ensuite, par contre, on va passer une annonce de la New York Comic Con de chez Sideshow qui a fait beaucoup polémique dans pas mal de nos groupes, dont Fireblood, etc., qu'on a beaucoup discuté. C'est la Ghost Rider en version Contest and Champion de chez PCS. Alors, du coup, là, Version jeu vidéo. Alors, format 1.6. Format 1.6. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, perso, j'étais déçu, c'était pas du 1/4. C'est ça. Okay. C'est vraiment ça, ce que tout le monde s'est dit, c'est pourquoi pas du 1/4. Et vraiment, là, aller sur du 1/6. Mais après, peut-être que la taille aurait ralenti les gens, le prix aurait ralenti aussi. Donc là, je trouve qu'on a une époque où. Ouais, quand je vois que Prime te présente des dioramas à quasi 3000 euros et que les gens arrivent à suivre, là, tu fais, bah ok, va jusqu'au bout. Surtout que la pose est cool, le design est super sympa. Donc, 1/6, bah là, tu fais. Ok, je mettrai avec mes autres toys. Bah ouais, c'est ça. Après, la statue est magnifique, je trouve visuellement, artistique. Elle dégage un truc dedans. Elle est un peu comme la XM qui sortait du sol, façon de parler. Ouais, elle est moins dynamique quand même que la XM. Ouais, après, je pense que le gros problème de PCS, c'est les échelles. Parce que là, on passe toujours entre le 1/6 et le 1/3. Tout le temps. Pour la personne qui veut se faire la collection jeux vidéo Marvel, c'est compliqué. Tu as le Venom 1/3. Après, t'as le Magneto 1/6. Ouais. Ouais, mais non, du coup. C'est chiant. Juste que pour une ligne complète, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vrai que Magneto, j'ai pas pris pour ça. Moi, j'ai pris le Venom 1/3. Je voulais prendre. J'ai pris quoi en 1/3 J'avais pris le Spider-Man du jeu vidéo. Oui. Et l'Iron Man m'intéressait. Le Maximum aussi. Mais du coup, après, t'as Magneto, Ghost Rider. Et puis, encore une fois, il n'y a rien qui veut. Aussi, à part le Venom qui peut aller avec le Spider-Man du jeu vidéo. Mais sinon, le reste ne va pas ensemble. T'es là, tu fais. C'est bizarre. Après, pour du 1/6 et au niveau budget, on est quand même. Enfin, de base, on est à plus de 1000 euros et 1200 euros, mais ici, au prix commande, on est à 998. Donc, au final, pour la grosse moto, l'effet de résine transparent, le Ghost Rider, etc., ça paraît quali quand même pour le prix. Enfin, moi, ça me choque pas. C'est les prix du marché actuel. Ouais, voilà, c'est et ça. Et puis, c'est une scène aussi. Ouais, c'est durama avec la moto, l'asphalte, etc. Et pareil, comme d'habitude, ça ne sortira pas avant au moins un an et demi. PCS a un peu de retard pour l'instant. Et vous êtes sur 100 euros d'acompte pour le réserver. Comme ça, vous le réservez tranquillement, comme des clients l'ont déjà fait cette semaine. Et vous payez tranquillement, de mois en mois, pour arriver justement à l'échéance quand elle sortira, s'il n'y a pas trop de retard. C'est un peu chiant. Alors, par contre, là. On est sur du what the fuck. Voilà. C'est qui trouve ces what the fuck? C'est what the fuck. Là. XM Studio, notre partenaire exclusivement ici en Belgique. On peut dire pour l'instant, on leur fait beaucoup de pubs, on fait beaucoup de reviews de malade mental. Et ils se sont dit, ah bah écoutez, Toys Made, si vous voulez, vous avez fait une review qui va vous prendre un an. Et c'est quoi? C'est là War Machine, War Tank, Hulkbuster. Entre guillemets. Voilà, le bazar, ou que Denis doit acheter deux fois, il n'a pas le choix. Et il veut dire, on est quand même sur un truc. En plus, ils n'ont pas fait une version régulière, ils ont fait une version Deluxe. Donc il y a deux versions. Et encore, il y a quelqu'un qui a demandé pour une troisième version. Que avec le War Machine tout seul. Ah ouais, c'est pas cool. Cool. Ça serait pas con. Mais alors, du coup, on va passer sur la version du coup. C'est la version B ou A. La version A, c'est la version régulière. B, c'est la version 2. La version A, du coup, comporte le War Tank, c'est ça? Ouais, War Tank ouvert comme la Hulkbuster avec Iron Man d'époque où le War Machine en ressort. Et en train de tirer avec son armure, full LED, on a la lumière dans le gant, enfin dans les bras, dans le torse, dans les yeux, enfin c'est déjà très complet. Et la dimension du bazar. On est sur du 88x90x92. La plus grande statue XM réalisée à ce jour. D'une seule statue, ouais. Parce qu'en diorama, machin, ça compte pas pour moi, mais ouais, là, celle-là, c'est une. Plus grande statue, non, même de tout studio confondu. Je crois que sur la profondeur. Au niveau sans se dire on monte après, en jour parce qu'il y a après, un. Après, t'as le shockwave, c'est un cube de 1 mètre. Hein. Ouais. Faut pas oublier le shockwave. Hein.
Okay. Que Denis veut acheter aussi. Et là, on y est quasiment. Ouais, ouais. Mais là, le pire, c'est. Enfin, dire, le Shockwave, c'était un seul robot droit. Ici, t'as quand même les canons, le Light Up, le War Machine qui peut sortir et rentrer dedans. Oui. Enfin, veux dire, c'est. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'annonce quand même de XM. 3 boîtes. Ah, direct, 3 boîtes. Ouais. De toute façon, il pèse 100 kilos. T'as 100 kilos, oui, 100 t'as, kilos. Vu, t'as vu les boîtes du Planète Hulk. Ouais. Ben voilà. À trois fois ça, ok. Bon, du coup, la nation elle comporte seulement, mais c'est déjà très bien, le War Tank et War Machine dedans, et on est déjà à un budget de 3 650 €. C'est, ça vaut, ça résine, mais en même temps, c'est hyper cher. En fait, je trouve que XM, à un moment donné, je les adore, mais je trouve pour le moment, ils ont fait on fonctionne de mieux en mieux, ben on va un peu exploser nos prix. Ouais. Et ça s'est ressenti, et ça se fait. Ok, ouais, maintenant je dis pas que ça ne vaut pas, mais faut le vouloir. Après, tu as une concurrence entre Prime, tu vois, je vous rends l'exemple, parfois, on va revenir sur le Tusked, le prix des rangées de 2 500 €, tu vois, c'est quand même une belle bête. Là, on est quand même sur plus de 1 000 €. Ouais, 3 500 €. Il y a un moment, j'ai l'impression que la course à qui fera plus entre Prime, XM, commence à déborder, ouais. Commence à pénaliser le client. Ouais, il y a une concurrence, ça c'est sûr. Ça. Du coup, Showcase, on s'attend à quelque chose de 6 000, 7 000 €. Ouais, sachez que forcément, on est mercredi, vous avez mercredi, vous voyez la review, mais jeudi, vendredi matin à 4 h du matin. C'est dans matin. La nuit de jeudi à vendredi. Vendredi à 4 h 15 du matin, on sera en live sur la chaîne YouTube avec du coup Notice Luigi, Jordan, Sean et Elodie. Et Denis, exactement. Où on va du coup partager ensemble le live de Prime One, le Showcase numéro 3, qui va complètement ruiner nos portefeuilles et nos vies. Mais voilà, ça c'est nos discussions, ça sera pendant le live. Par contre, comme vous le savez, le War Machine n'a pas une version régulière seulement A, mais une version B, ou quoi, on a du coup le War Machine en plus avec. Vous avez le War Machine en plus, donc du coup ici vous avez l'option de pouvoir l'avoir dedans ou à côté. C'est cool parce que là du coup tu te retrouves avec une statue modulaire, mais en plus de ça, maintenant deux statues. Ouais, mais ton Hakkar il te coûte quand même 1 200 € plus cher parce que la version. Bah, comme toutes les Hakkar de chez. Au final, ouais, c'est le prix d'un Hakkar classique. Là, franchement, c'est tout à fait logique. Ouais, c'est vrai. Bah, l'augmentation. Ouais, ouais. Mais par contre, du coup, on monte à 4 850 € la statue. Alors, j'ai vu sur le site qu'ils allaient mettre 909 exemplaires au monde, j'y crois même pas. Non, c'est max. Non, c'est max. Je pense qu'on va en avoir. Ça va quoi, être réduit en cours. Je dirais 300 maximum, 300 personnes. Parce que là, ici, des gens vont tester. Nous, par exemple, on va en prendre au moins une. Juste pour le délire. Juste pour le délire. Après, le Hulkbuster, il est très recherché en Asie. Hein, donc, ouais, mais ouais, le Hulkbuster est casable. Ouais, casable. Celui-là, ça faut réfléchir avant d'acheter. C'est niche aussi, tu vois. Et encore une fois, c'est du 3D qui a été présenté. Là, c'est le dernier prix qui a été présenté par XM, c'est de la 3D. Donc, pour une fois, on n'a pas de version finale. Donc, du coup, c'est un peu plus de temps que ça nous laisse. C'est ça. Mais c'est bien, mais en même temps, voilà, comme il dit, maintenant, on arrive à quel moment on peut se payer un truc pareil, dans le sens que c'est 4 850 € dans moins d'un an. Et bien, chez TaxMania, vous le casez surtout. Vous savez pourquoi? Vous mettez seulement 200 € d'acompte. 200 € d'acompte. Et vous avez plus ou moins, on va dire, un an. Non, 5 mois. Pour placer un non, déconne pas. C'est toujours arrêté conneries. Non, il y aura plus d'un an. Il y aura plus d'un an. Vous avez un peu plus d'un an pour la payer. Maintenant, quand vous la précommandez, soyez sûr de la vouloir. Ouais, je trouve que c'est une pièce. Réellement, il faut avoir l'ambition. Bon, en fait, il y a plus de pièces où, en fait, les studios ont fait si tu réfléchis pas, t'es dans la merde. Ouais, c'est vrai. Mais trop tard, une fois que c'est engagé, mon gars. Ouais. C'est ce genre de pièce que là. C'est comme le diorama Batman vs Superman que vous aviez fait à l'époque de Prime. Ouais. Vous aviez dit aux clients, réfléchissez bien avant d'acheter, parce que là, les cartons, va falloir pouvoir les stocker. Ouais, c'est vrai. Là, on est sur le même cas de figure. Je trouve que les gens ne parlent pas assez. On est tous dans le cas. Hein. Franchement, surtout toi, on se rappelle quand je te livre, mon gars. Je sais moi, sur le cas, j'ai vu, je sais pas comment il ouais, fait. Oui, c'est pas comment il fait. Bon, toi, ça va te commencer. Ouais, ça va, j'ai un grand garage. Donc, t'as pu voir la maison, t'as vu comment ça se gère, ça se gère difficilement. Et toi, Jo, on n'en parle même pas. Toi, t'es à le bout du monde. T'es foutu, toi, mon gars. Je te mets dans la meuse. Non, ça va. Les trucs qui balancent dans l'eau, là. T'as pas vu mon Tetris dans ma cave, ça. T'as vu mon Tetris dans ma vie, moi, mon gars. Si, tu m'envoies des photos, ça me suffit. C'est vrai. Alors ensuite, on va finir sur la précommande d'un fabricant qui est assez polémique et surtout très compliqué ici en Belgique, je l'avoue. Non. C'est Figurama. Alors pourquoi je dis ça? Sachez qu'on a quand même une différence de prix nette avec la France et la Belgique. On sait pas pourquoi, on est en train de se renseigner. J'ai connu Figurama. Moi je sais pourquoi, mais je peux pas le dire. Ok, ça pas en direct en tout cas. Mais voilà, le problème c'est qu'ici, on a une différence de prix certes, mais voilà, on n'a pas le choix pour l'instant. Sachez qu'on ne se goinfe pas comme des masses sur Figurama. Pour l'instant, nos fournisseurs est beaucoup plus cher, on essaie de trouver des solutions. Donc pour l'instant, c'est le prix fixe, mais on espère descendre plus bas. Et c'est sur quoi, Jordan? Naruto Shippuden, du coup, une statue qui était très attendue, teasée maintenant il y a quasi un an. Il travaillait dessus. Beaucoup de gens pensaient qu'on allait retrouver le fameux combat Naruto contre Sasuke que je trouve horrible, personnellement. Et au final. Non, tant mieux qu'on l'ait pas. Tant mieux. Et là, c'est justement la scène que tout le monde voulait, Naruto contre Pain. Alors voilà, moi je dis oui à 1000%. J'achète, ok. J'achète. Alors moi, j'ai pas une Naruto, la statue est vraiment belle, mais le problème c'est qu'il y a pour moi trop de décors pour deux personnages si petits. Et ben après, non, c'est fidèle à Figurama, c'est vraiment l'empreinte de la marque. Prends la Clémeur et toutes les autres productions. Décor, t'as toujours, hein. Non mais t'as souvent un décor quand même qui est très artistique là. Ça reprend pas forcément un moment précis du manga avec un sol accurate ou autre. Il y a une part d'interprétation, mais qui représente bien la en scène. En fait, à chaque endroit, tu as un détail qui te rappelle
un moment dans le passé, dans cet épisode-là, où tu te fais « Ah ouais, il a fait ça. » Et du coup, c'est ça qui est cool, que je trouve qu'il y a moins de vie dans le SNK, par exemple. Là, tu sens que c'est tout comprimé en une et il faut tous les éléments. Surtout que bus interchangeable, tout sera comme d'hab, et pour quelque chose de très quali. Et Figurama améliore ses produits. Parce qu'il faut savoir qu'entre la présentation où les HS ont fait polémique, il y a déjà eu des améliorations, et du coup, les HS ont été améliorés. Et vraiment, ça transforme la statue. Ouais. Franchement, à tout moment, ils vous disent, au final, on vous offre la statue, et on est là, on fait yes. Bah, ça, c'est intéressant. Bon, le budget est de 1650 €. Bon, le prix de base, même pour du SM Durama, ça me choque pas trop pour ce prix-là. Deux personnages aussi. Ils ont 3 suicides, 2 bustes. En plus, il y a des porte-bustes, donc c'est des génies à ce niveau-là. Ils sont super beaux. C'est vrai, j'ai pas de petits porte-manteaux et des bustes. Ouais. Il suffit de regarder la Prime One Full Metal Alchemist. Hein. C'est 1450 € de luxe. Alors, certes, il y a les sets de tête et autres. Ouais, c'est vrai. Mais là, ouais, y a des bustes. Sur Prime One, il n'y aura pas. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que ça, c'est une grosse question. Ouais, il y a déjà 2 bustes supplémentaires à rajouter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est des petites statues. Et du coup, forcément, vous pouvez mettre ça au Rodacon pour la commander parce qu'elle ne sortira malheureusement pas avant un an et demi. Figurama a quand même des délais durs à respecter, je trouve. Moi, j'irais 2 ans. Ouais, c'est même très long. 2 ans. Du coup, voilà. Donc, il est pas en 2024. Votre Diromana auto arrivera chez Figurama et très vite sold out. En général, on n'a jamais Figurama en vente, sauf annulation, comme on est pour la SNK. Mais sinon, tout ce qu'on a ici, tout ce qui doit sortir au catalogue, Bleach, mais tout le reste, je ne sais plus, puis il est tellement Bleach, Kenshin Vagabond, Doro, tout est sold out. Clément. Ouais, d'euro, justement. C'est ça, voilà. Tout est sold out parce que les gens les commandent à l'avance parce que c'est très limité et très dur à avoir malgré tout. Parce que Figurama est quand même un peu bizarre. Je trouve que c'est un fabricant qui est très proche en Europe, mais en même temps qui n'est pas en Europe. C'est pour que c'est particulier pour eux. Parce qu'en fait, ils aiment bien communiquer beaucoup. Ouais. Et à l'aide justement de youtubeurs américains, tout ça. MC par exemple, il est en partenariat avec Jimmy Mint. J'espère un jour nous, ce serait sympa. Mais il fait très peu confiance aux gens. Il faut vraiment, sur le long terme, ou le croiser en vraie vie. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas c'est pour Breakout de ce mercredi. Merci à Luigi et Naxis d'être passé aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir quelques reviews parce que comme ils sont là, bah, ils vont un peu s'amuser sur des statues et autres. On a profité d'eux. On a profité d'eux et de leur expertise. Vous pouvez voir, il y a le mec qui sait tout mesurer et tout savoir. Et on a notre Pedro Luigi qui peut critiquer ça comme plus vite que l'Amérique. Bon, ouais, en tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est plus de 5000, ça nous fait méga plaisir. Et merci à vous deux qui nous aidez constamment dans Faire Blood, etc. Avec merci à Denis aussi. Merci à Denis. Visuellement, mais merci à lui aussi. Là, il y a une petite photo de lui avec sa petite tête. Comme ça, il est présent sur une seule vidéo. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit. Allez, les gâteaux! On vous aime beaucoup et on vous dit. À très bientôt!